Donc, je rappelle que la dernière fois, donc j'ai introduit la définition générale de ce que j'appelle des transformations de Fourier non linéaires. D'ailleurs, au début du cours, j'avais fait allusion aux échos que j'avais eus de choses qui avaient été faites avant. Donc, en particulier le cours d'André Veil à l'IHES dans les années 60. En fait, j'ai vérifié que ce dont il était question dans ce cours de Veil, intitulé Formule de Poisson et groupe classique, il s'agissait des transformations de Fourier et formules de Poisson linéaires. Sur les adèles, comme dans la thèse de Tate, mais cette fois pris sur des algèbres semi-simples. C'est pas ce dont je parle. En revanche, comme je l'avais déjà dit la fois précédente, et je le répète, la perspective que je prends a déjà été introduite il y a une douzaine d'années par Braverman et Kajdan dans un article. Et d'après plusieurs échos que j'ai eus, les gens évoquaient déjà la possibilité d'aborder la fonctorialité de Langlands par des transformations de Fourier et formules de Poisson non standards, en quelque sorte, très tôt. C'est-à-dire, Soulet m'avait dit que Godman avait dit ça devant lui à l'époque où il était élève de Godman, donc c'est-à-dire dans les années 70. Et de même, Gromov a dit devant moi que c'était des idées très répandues dans les universités russes il y a plusieurs décennies. Donc la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en quelque sorte formulé un ensemble de vœux. L'exposé a précisé les propriétés qu'on attend de transformation de Fourier locale et d'une formule de Poisson globale. Donc il y avait trois séries de propriétés, j'avais numéroté ça problème 1, problème 2, problème 3. Le problème 1 consistait à définir sur un groupe réductif considérée en une place une transformation de Fourier associée à une certaine représentation du groupe dual. Les deux premières propriétés qu'on attendait de cette transformation de Fourier, c'est d'abord d'être compatible à la formation des termes constants et ensuite d'être un opérateur unitaire. La deuxième série de propriétés qu'on attendait, c'était la possibilité de définir en chaque place un espace de ce que j'appelle les raw fonctions, donc quelque chose qui doit être stable par translation à gauche et à droite, dont la connaissance est complètement équivalente à celle des facteurs L locaux. Cet espace doit également être stable par l'action de la transformation de Fourier. Et la connaissance de la transformation de Fourier agissant sur lui doit être équivalente à celle des facteurs epsilon des représentations. Donc ça, c'est le problème numéro 2. Donc les problèmes 1 et 2 sont des problèmes locaux. Le problème 3 est l'existence d'une formule de Poisson, c'est-à-dire d'une certaine forme linéaire, définie sur les espaces de raw fonctions globales qui se déduisent de la définition des espaces de raw fonctions locales. Donc on veut que cette forme linéaire soit invariante par la transformation de Fourier globale. J'ai donné forme conjecturale pour cette forme linéaire, c'est-à-dire j'ai donné une définition de la forme linéaire en question. Le fait que cette forme linéaire est bien définie et stable par la transformation de Fourier est équivalent à la fonctorialité des groupes réductifs vers les groupes linéaires. Plus précisément, si on connaît le transfert de Langlands de G à GLR, alors ça implique la formule de Poisson pour la transformation de Fourier sur G associée à cette représentation. Et en sens inverse, c'est vrai aussi, mais là, pour démontrer le transfert de G à GLR, on a besoin d'une formule de Poisson sur un groupe plus gros que G, qui est essentiellement G fois GLR moins 1. Donc j'ai dit tout ça. Alors ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est en un sens complètement trivial.
et qui est un peu ennuyeux, c'est le cas des torts, mais malgré tout, il faut le faire. Et il faut d'autant plus le faire que, en quelque sorte, ça va servir un peu de modèle, même si, bien sûr, il y a beaucoup de choses du cas abélien qu'on peut pas, qui n'ont plus de sens dans le canon abélien. Pour ce que je dirai la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, je vais m'intéresser principalement et même presque exclusivement au groupe GL2. Je vais faire des calculs sur GL2. Donc GL2, muni des représentations du groupe dual qui sont les puissances symétriques de degré arbitraire. Pour ce que je veux faire la semaine prochaine, j'ai besoin de regarder d'abord le cas des torts. Voilà. Alors, je rappelle que la situation, c'est... faudrait peut-être allumer la lumière ici. Sur le tableau... Non, c'est pas ça. Ouais, je ne sais pas si c'est mieux. Donc on a ce que j'appelle une représentation de transfert, c'est-à-dire un homomorphisme qui va du groupe dual de G. G est un groupe réductif. G est un groupe réductif que je prends quasi déployé sur un corps global F. On prend le produit semi-direct avec le groupe de Galois de F, vers GLR de C. C'est la situation générale qu'on considère. Et bien sûr, quitte à conjuguer, on peut supposer que ρ induit un homomorphisme qui va du tore maximal de G chapeau, c'est-à-dire le dual du tore maximal de G, vers le tore maximal de GLR, qui est C fois la puissance R. Et donc cet homomorphisme, on peut le voir comme une collection de R caractères. Voilà. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, il est possible qu'à un moment, pour gagner du temps, je suppose qu'on n'ait pas d'action de Galois, même si dans les notes écrites, on prendra compte aussi de l'action de Galois. Mais je veux dire quand même, à l'instant présent, sous quelles hypothèses ce que je vais faire garde un sens avec action de Galois. Donc ici, on fait une hypothèse, l'hypothèse qui utilise le fait qu'ici, on n'a pas un groupe arbitraire, mais un groupe qui est le groupe de Galois de F. Donc l'hypothèse qu'on prend, c'est que gamma F... agit sur C puissance R, donc C puissance R, c'est l'espace de la représentation ρ, par permutation des vecteurs de base. Donc c'est un type particulier d'action, tout ce que je vais expliquer garde un sens dans cette situation. Alors dans cette situation, ça veut dire qu'on a une action induite du groupe de Galois sur l'ensemble des indices des vecteurs de base, c'est-à-dire sur l'ensemble 1 de R. Et évidemment, quand on a un ensemble fini muni d'une action continue du groupe de Galois, c'est la même chose que se donner une algèbre séparable sur F de dimension R. Alors bien sûr, si l'action est triviale, c'est simplement F à la puissance R, sinon c'est n'importe quelle algèbre séparable. Dans cette situation... Voilà. Je garderai toujours cette notation. E, c'est cette extension-là. Dans ce cas-là, on peut former, bien sûr, ce que je vais noter TE, le tore TE, c'est le tore déduit du groupe multiplicatif par restriction des scalaires à la veille de E à F. C'est un tore algébrique de dimension R, défini sur F, mais qui n'est pas GM à la puissance R, en général. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire que son dual, le dual de ce tore, c'est C fois à la puissance R muni de l'action naturelle de gamma F par permutation des facteurs. Ça, c'est la première chose importante.
Bon, ici, on peut énoncer un petit lemme. C'est la chose suivante, c'est que l'homomorphisme que j'ai noté, roté, qui va de T chapeau dans C fois la puissance R, vous voyez, roté, je peux le voir comme un homomorphisme de T chapeau dans TE chapeau, et cet homomorphisme est gamma F équivariant. Par conséquent, il est dual d'un homomorphisme que je note roté tchetch qui va du tore TE vers le tore T. Voilà. Dans les hypothèses qu'on avait mises sur la représentation de transfert, il y avait en particulier le fait que roté était injectif. Donc ça veut dire qu'on a une suite exacte comme ceci. Ici, il y a quelque chose que je note de cette manière-là. Donc ici, on a un certain tore quotient muni d'une action de gamma F. Bien sûr, ce tore quotient muni de l'action de gamma F est dual d'un certain tore que je note T rho. Et on a une suite exacte de tore définie sur F qui est duale de la précédente. Je rappelle aussi que parmi les hypothèses que j'avais mises sur Rho, il y avait le fait que Rho était muni d'un certain co-caractère que j'avais noté det G flèche, hein, donc c'était quelque chose donc c'était un co-caractère central, bien sûr ça a un sens de le composer avec la représentation Rho, et donc on avait fait l'hypothèse que cette flèche là consistait à associer à un élément lambda eh bien, la collection de scalaires tous égaux à lambda. Hein, donc on avait par hypothèse, on avait supposé qu'il y avait un certain co-caractère central qui vérifiait cette propriété, et on peut regarder le dual de ce co-caractère central, donc c'est quelque chose que je note dès indice G, donc c'est un caractère de G, en particulier je peux le voir sur T, hein. Cette chose-là, donc je la vois aussi comme un caractère de T vers Gm, hein, ça a un sens, quand j'ai ce caractère d'G, je peux le composer avec l'homomorphisme sur TE. Ici, on a simplement que ce composé-là, que je note det indice E, c'est simplement le déterminant, voilà, c'est la norme, le déterminant de l'action de TE, sur l'espace linéaire que je note TE bar, qui est simplement la restriction des scalaires à la veille de l'espace linéaire A1. Donc c'est la norme, c'est simplement la norme. Voilà. Ça c'est la définition générale, mais pour ce que je voudrais faire la fois prochaine, j'ai dit que je m'intéressais particulièrement au cas où on avait G chapeau qui était égal à GL2 de C divisé par les racines KM de l'unité. Hein, donc Rho, c'était SimK, la représentation SimK qui va de G chapeau dans GL K plus 1 de C. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que Rho T ça va de C fois que multiplie C fois divisé par mu k vers C fois la puissance R.
Et ici, donc ce qu'on fait, c'est que quand on a lambda 1, lambda 2, on associe la collection des lambda 1 puissance i, lambda 2 puissance k moins i, hein, pour tous les i compris entre 0 et k. Et donc, l'homomorphisme dual, dans ce cas-là, donc il va de TE. Alors, TE, c'est quoi dans ce cas-là? C'est simplement GM à la puissance K plus 1 vers le tore T. Alors, T, c'est quoi? C'est GM fois GM, produit fibré sur GM avec GM. Donc ici, c'est simplement l'homomorphisme ici, c'est le produit des deux facteurs, et l'homomorphisme ici, c'est l'élévation à la puissance K. Donc qu'est-ce que c'est que ce morphisme? Quand j'ai une famille de scalaires que je note lambda 0, lambda 1, lambda K, hein, une famille de K plus 1 scalaire, je dois leur associer trois composantes. Donc la première composante, c'est lambda 1 que multiplie lambda 2 au carré, etc., jusqu'à lambda k puissance k. La deuxième composante, eh bien, vous prenez les puissances complémentaires, donc c'est lambda 0 puissance k, lambda 1 puissance k moins 1, etc., et vous allez jusqu'à lambda k moins 1 puissance 1, lambda k n'apparaît pas. Et la troisième composante, qui est une racine carrée, qui est une racine km du produit de ces deux choses, eh bien, c'est le produit de tous les lambda i. Hein, vous vérifiez que ceci à la puissance k est bien le produit de ça par ça. Voilà. Donc ça, on se souviendra de ça. Alors, bon, alors maintenant, ici, on a fait apparaître cet espace-là, T bar E, qui est égal à la restriction des scalaires. Voilà. Et maintenant, si je prends une place... une chose importante à dire, c'est que, bien sûr, on a un morphisme qui va de ça vers A1, qui est l'homomorphisme de trace. Hein, donc sur un corps algébriquement clos, enfin c'est simplement donné par, c'est-à-dire quand on passe à un corps algébriquement clos, on a la somme de R coordonnées, et donc on fait la somme de ces coordonnées, hein, c'est la trace habituelle. En particulier si je prends pour X une place de F, je noterai simplement EX, cette chose-là. Donc c'est simplement, ça c'est quoi? C'est E, produit tensoriel sur F avec FX, hein, donc muni de la trace, ça va vers FX. Et alors, je rappelle que la dernière fois, on avait choisi un caractère additif non trivial, qui va de l'anneau des adèles de F, que j'avais noté comme ça, divisé par F, dans ces fois. En fait, comme ceci est compact, ce caractère est nécessairement unitaire. Et ici, on peut composer ceci avec psi x, donc ça va dans ces fois. Et bien sûr, c'est ça qui définit la transformation de Fourier. Le tore TE plongé dans l'espace TE bar. Donc la transformation de Fourier, dans ce cas-là, transformation de Fourier sur EX, hein, qui est égal à T bar E de FX, c'est donné par la formule suivante. Si j'ai une fonction FX sur cet espace, je lui associe sa transformée de Fourier, par définition, c'est l'intégrale sur TE de FX pour une certaine mesure additive DTX de FX de DTX que multiplie, donc je vais le noter simplement KXE
de Tx fois la variable, hein, donc ici, là, voilà, et cette chose-là, le Kxe de la variable, c'est simplement Psix de la trace de la variable. Donc voilà la définition générale de la transformation de Fourier, dont on connaît les propriétés habituelles. Donc la première propriété, c'est que si on a bien choisi la mesure additive ici, la mesure invariante par translation, eh bien, le composé de la transformation de Fourier, la transformation de Fourier est un opérateur unitaire. Voilà. Parmi les propriétés importantes de la transformation de Fourier, donc il y a le fait que c'est unitaire, hein, opérateur unitaire, c'est-à-dire qu'il préserve le produit hermitien. Hein, le produit hermitien, c'est si j'ai deux fonctions f1 et f2, leur produit hermitien, par définition, c'est l'intégrale donc sur te de fx pour cette même mesure dtx de f1 de tx, f2 de tx bar. Voilà. Parmi les propriétés importantes de la transformation de Fourier, il y en a une qui, pour nous, est essentielle, et pour toute la théorie automorphe, bien sûr, c'est la compatibilité avec les translations, à gauche ou à droite. Donc ici, on est avec un tore abélien, donc il suffit de regarder les translations, il n'y a pas de distinction entre la gauche et la droite. Donc dans ce cas-là, si on a une fonction fx et qu'on la translate donc par un élément t, qu'on prend la transformation de Fourier, eh bien, ceci, c'est la transformation de Fourier de fx translatée par l'inverse de t et avec un certain facteur, donc c'est le det indice e de t, la norme indice x à la puissance moins 1. Hein, vous avez un facteur multiplicatif qui apparaît ici. Donc ça, c'est pour tout élément t, de TE de FX, qui donc est le groupe des éléments inversibles de l'algèbre EX. Donc on a ça, et évidemment on se souvient que le det indice E, c'est le composé, donc c'est la norme, en particulier c'est quelque chose qui se factorise à travers le det indice G. Donc il y a en particulier le fait que on a la chose suivante, c'est que ceci est trivial sur les éléments du noyau T indice rho, de l'homomorphisme rho T-Tchetch. Quel que soit T appartenant à T indice rho de Fx. Voilà. Donc on a cette propriété. Ici il y a un petit lemme, hein, c'est que je regarde justement cette suite exacte de tore. Ici j'ai l'homomorphisme que j'ai noté Roté-Tchetch, hein, le dual de Roté. Évidemment, à chaque place, j'ai un homomorphisme induit qui va de TE de FX dans T de FX. C'est un homomorphisme de groupe, mais il faut faire attention. En général, il n'est pas surjectif. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le noyau de cet homomorphisme, c'est T rho de FX, et l'image... c'est un sous-groupe ouvert de T de Fx. Une chose qu'on peut faire comme conséquence de ça, c'est on munit T de Fx de la mesure que je vais noter je vais faire d'abord la chose suivante, c'est que je munis donc T rho de Fx on le munit d'une mesure invariante
que je vais noter d'hétéro. Et donc on munit T de Fx de la mesure suivante. Donc d'abord, je veux que elle se transforme suivant le caractère que j'ai noté d'être indice G, enfin composé bien sûr avec la norme en X, c'est la première propriété que je demande. Et deuxièmement, sa restriction à l'image de ce morphisme est égale au quotient de la mesure que j'ai notée dtx sur, sur te de fx divisé par la mesure que j'ai choisie sur le noyau. Hein, donc je fais ça. Alors, maintenant, une fois qu'on dispose de ces deux mesures, on peut définir un opérateur d'intégration le long des fibres. Si on a une fonction fx qui va de TE de fx dans C, on peut lui associer... on peut l'intégrer le long des fibres, c'est-à-dire qu'on lui associe une nouvelle fonction qui est définie sur T de fx à valeur dans C, et simplement par intégration le long des fibres pour la mesure invariante. Alors bien sûr, ça signifie en particulier que si la fibre au-dessus de T est vide, la valeur vaut 0. Hein, et puis sinon, c'est l'intégration sur la fibre. Voilà, donc cet opérateur existe. Bon, et alors, comme corollaire des propriétés habituelles de la transformation de Fourier sur TE, on a la chose suivante. Donc, on considère le sous-espace des fonctions de carré intégrable. Donc fx de TE de fx dans C, telle que son image par cet opérateur, donc c'est une fonction sur T de fx à valeur dans C, je demande que cette image soit bien définie et de carré intégrable. Et donc, on a que ce sous-espace est stable par la psi-x transformation de Fourier. Donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est qu'il existe un unique opérateur unitaire, donc à fx j'associe ça, donc cet opérateur je vais l'appeler la transformée de Fourier sur T de fx, vérifiant les propriétés suivantes. Premièrement, pour les fonctions de 1, bah, bien sûr je veux la compatibilité entre les deux transformations de Fourier sur l'espace du haut et sur l'espace du bas. Donc c'est la première propriété que je demande. La seconde propriété, la chose suivante, c'est que pour tout élément du tore en bas, la transformation de Fourier d'une fonction translatée est égale au translaté par T-1 de la transformée de Fourier,
que multiplie le det indice g de t, x à la puissance moins 1. Donc il existe un unique opérateur unitaire qui vérifie cette propriété. Et cet opérateur unitaire est défini par un noyau. Donc cet opérateur fixe flèche fixe chapeau donc est défini par un noyau. Donc on prend donc c'est la formule habituelle hein, t de fx dt. Alors ici donc dt c'est la mesure que j'ai introduite ici. En particulier, c'est une mesure qui se transforme par le caractère det indice g. Hein, ce n'est pas une mesure invariante, attention. Donc ici, ce noyau, je vais le noter comme ça. C'est un noyau relatif à la représentation ρ t de t fois la variable fixe de t. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Kx roté, donc c'est une fonction de t de fx dans c. Quand j'ai un élément ici, eh bien, ce que j'ai envie de lui associer, bien sûr, c'est l'intégrale sur la fibre d'hétéro du noyau en haut. Le noyau en haut, je rappelle que c'est simplement ψx, le caractère ψx composé avec la trace. Donc ceci, voilà, on intègre sur la fibre. Alors, donc ça, je le mets entre guillemets parce que cette intégrale ne converge pas absolument. Hein, donc pour définir cette chose-là en termes de fonction, on peut faire la chose suivante. Donc on peut l'écrire comme une limite. De la chose suivante, donc ici c'est le kx de t rho, et ici on prend un x de a t rho. Alors qu'est-ce que c'est que un x ici? C'est n'importe quel fonction localement constante. Où c'est infini si x est une place archimédienne à support compact qui va de t bar de fx, donc je rappelle ça c'est ex, c'est l'espace vectoriel ex dans c et qui vaut 1 au voisinage de 0. Voilà. Bon, ici, j'ai mis un support compact. Dans le cas, c'est infini. On pourrait aussi prendre la décroissance rapide. Ce serait peut-être plus symétrique par rapport à la transformation de Fourier. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est, ces choses-là convergent. Définissent une fonction. Et donc, la transformation de Fourier est définie par cette fonction. Alors, donc voilà pour, en quelque sorte, dans ce cas évidemment trivial, la solution du problème 1 de la dernière fois. Donc je rappelle, le problème 1, c'était définir une transformation de Fourier qui, premièrement, est compatible au terme constant, mais là, la compatibilité au terme constant, c'est ici, comme on est sur les tores, c'est une condition vide. Et la deuxième propriété, c'est que ça soit un opérateur unitaire. Donc ça, c'est vérifié. Alors, la deuxième propriété, c'est la définition d'espace de rho fonction. De rho fonction locale.
Ah, donc c'était le problème 2 de la fois précédente. D'abord, évidemment, on rappelle que de tels espaces existent dans le cas de TE. Hein, donc, on part du cas de TE. Alors, attention, ici, je vais prendre X, une place ultramétrique. Hein, et puis, un peu après, j'expliquerai ce qu'il faut faire dans le cas d'une place archimédienne. Donc, dans ce cas-là, donc on considère TE muni de la représentation standard, que je note ρE. Donc, qu'est-ce que c'est que les ρ fonctions dans ce cas-là? C'est les fonctions donc, de TE de FX, c'est-à-dire de EX fois dans C, qui se prolongent, évidemment de manière unique, qui se prolongent en des fonctions continues à support compact. Dans ce cas-là, continue, c'est des fonctions localement constantes à support compact de TE bar de FX, c'est-à-dire EX, à valeur dans C. Hein, donc là, c'est le bon espace de rho fonction. Cet espace-là vérifie toutes les conditions du problème 2 de la fois précédente. Hein, c'est-à-dire que cet espace est stable par translation, il est respecté par la transformation de Fourier, ces éléments sont caractérisés par leur décomposition spectrale en termes de des fonctions L. Hein, c'est-à-dire la connaissance de cet espace, la connaissance de ces choses est équivalente à la connaissance des facteurs LX que donc associés à la représentation standard ρE, qui Z, donc c'est simplement les fonctions L classiques prises sur l'algèbre séparable EX. Hein, et puis, la connaissance de la transformation de Fourier sur cet espace est équivalente à celle de polynômes qui sont les facteurs epsilon classiques. Hein, donc tout ça, c'est la théorie classique des facteurs L et epsilon, la théorie abélienne, hein, qui a été faite, bien sûr, pour la première fois, dans la thèse de Tate. C'est la thèse de Tate. Voilà. Donc, dans ce cas-là... on a tout ça, la dernière fois j'avais dit qu'il devait exister, j'avais donné des énoncés, c'est-à-dire des conditions requises seulement les places ultramétriques. Mais j'avais dit qu'il devait exister des choses analogues en les places archimédiennes, donc je ne l'ai pas fait la dernière fois. Donc là, je voudrais le faire. C'est-à-dire introduire des espaces de rho fonctions en les places archimédiennes. Et je veux d'autant plus le faire qu'en fait, je veux modifier légèrement la définition classique. Donc vous allez voir comment. Maintenant, on considère une place archimédienne, donc on est amené à considérer l'algèbre EX, hein, c'est E produit tensoriel sur FX, donc FX c'est R ou C dans ce cas-là, et donc ceci s'écrit comme un produit de facteurs EX' dont chacun est isomorphe à R ou à C. Hein, donc... faut faire quelque chose d'un peu analogue à ce qui se passe sur en les places ultramétriques. Et pour ça, on a besoin d'introduire deux fonctions,
deux familles de fonctions. Alors, la première famille va être formée à partir de... Donc, c'est la fonction gamma en 1/2 de S que multiplie pi à la puissance moins 1/2 de S. Et la deuxième fonction que je considère... donc ça va correspondre aux places réelles et l'autre aux places complexes. Donc ici, on prend du 2pi à la puissance 1 moins s que multiplie du gamma de s. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, une fois que qu'on a posé ces notations, on a une définition de ce qu'on appelle un facteur eulérien. Alors, il y a deux types de facteurs eulériens. Il y a les facteurs eulériens réels et les facteurs eulériens complexes. Alors, les facteurs eulériens réels, c'est les choses qui ont la forme suivante, P de S que multiplie G1 de S plus S0. Donc ici, on s'autorise une translation par un nombre complexe, hein, et ici on s'autorise une multiplication par un polynôme. Donc c'est ça qu'on appelle un facteur eulérien réel. Et alors les facteurs eulériens complexes, on remplace la fonction g1 par la fonction g2. Et là aussi on s'autorise à translater la fonction g2 par quelque chose et à multiplier par un polynôme. Dans ce cas-là, l'équivalent du théorème précédent en les places ultramétriques, c'est-à-dire le fait que les espaces de Rho fonctions définis de cette manière-là vérifient toutes les conditions du problème 2, c'est le théorème suivant. Alors, ce théorème, je vais l'écrire en la place EX', donc qui est isomorphe à R ou C. Alors, il faut distinguer suivant les cas. Donc on considère le caractère psi-x composé avec la trace qui va de EX' dans C. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire le cas réel, ce caractère a la forme suivante. Il est nécessairement de la forme l'exponentielle de 2πi que multiplie A, et puis ici il y a une constante multiplicative que je note CX'. Donc CX', c'est un élément de R qui est différent de 0 parce que le caractère que je considère est nécessairement non trivial. Et puis dans le cas complexe, c'est l'exponentielle de 2πi que multiplie CX'A plus CX'A bar, le conjugué. Et ici le CX', c'est un nombre complexe non nul arbitraire. Voilà, donc on suppose que notre caractère a été, enfin notre caractère est nécessairement de cette forme là donc ça introduit des constantes CX' qui vérifient ces propriétés. Et maintenant, on a une notion de rho e fonction. Sur EX'. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans le cas réel, c'est les fonctions de la forme suivante. On associe P de A que multiplie l'exponentielle de moins pi. Valeur absolue de CX' que multiplie A au carré. Et dans le cas complexe, c'est un polynôme en A et son conjugué que multiplie l'exponentielle de moins 2pi fois le module de CX'. Donc là, dans ce que j'ai écrit, j'ai oublié un carré.
que multiplie le module de A. Non, en fait, je ne pense pas qu'il y ait de carré. C'est simplement, ici, c'est, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc on prend les fonctions de cette forme-là. Ces choses-là sont des polynômes arbitraires. Hein, polynômes, voilà. Donc les fonctions qui sont de cette forme, hein, donc vous voyez, c'est essentiellement une exponentielle de moins, donc ici la norme quadratique, que multiplie un polynôme soit en A, soit en A et son conjugué. Donc c'est ça qu'on appelle les Rouleau fonctions. Voilà, alors, mais donc si vous regardez dans le livre chez Tate, soit chez Godemans-Jacquet, donc c'est les fonctions qui permettent de définir les facteurs eulériens en les places archimédiennes, les facteurs L en les places archimédiennes. Alors, quelles sont les propriétés de l'espace des Rouleau fonctions? D'abord, il est alors stable par translation par les éléments du sous-groupe compact maximal de E x' fois. Donc attention, mais pas par les éléments de E x' fois généraux. Hein, c'est pour ça que, un peu plus loin, je vais modifier cette notion de rho E fonction. Hein, parce que moi, je veux quelque chose de multiplicatif. C'est également stable par la transformation de Fourier et par son inverse. C'est dense, ces fonctions sont denses dans l'espace L2. Hein, donc ça a pour conséquence en particulier que si on connaît la transformation de Fourier sur ces fonctions, on la connaît partout. La deuxième propriété, ça consiste à former le même type d'intégrale dt x', f' de tx', donc c'est des intégrales comme ça, qui de tx' fois la norme en valeur absolue indice x, enfin norme indice x, à la puissance s moins 1. Donc ceci est une fonction du nombre complexe S. Alors, donc on regarde les intégrales de cette forme où ceci est une Rho E fonction sur E x'. D'accord ? Et ça, c'est un caractère continu de E x' fois, un caractère multiplicatif. Hein ? Et donc, vous multipliez ce caractère, vous le tordez par la norme par la norme à une puissance s moins 1, vous regardez ce que ça vous donne. Et donc, le théorème, c'est que ça converge si la partie réelle de S est assez grande. Ça définit des fonctions analytiques en S, hein, qui sont définies sur tout le plan complexe, éventuellement avec des pôles. Lorsque je fais varier f' dans l'espace de toutes les Rho E fonctions, ces choses-là forment un module
sur C de, dans, sur l'anneau de polynôme C de S, qui possède un unique générateur, hein, donc c'est un module libre de rang 1, de la forme. Alors, la forme, c'est Lx' de qui S plus 1,5 que multiplie module de Cx' à la puissance moins 1,5 de S plus 1. Ça, c'est dans le cas réel. Et dans le cas complexe, c'est Lx' de qui S plus 1,5 que multiplie le module de Cx' à la puissance moins S plus 1. Donc ça, c'est dans le cas complexe. Hein? Et alors, qu'est-ce que c'est que, les Lx' ici doivent être des facteurs eulériens, au sens que j'ai précisé au début. Hein? C'est-à-dire ce qui est formé à partir des fonctions G1 et G2, en autorisant des translations et la multiplication par un polynôme. Donc, l'espace formé par toutes ces fonctions forme un module sur cet anneau de polynômes. Et ce module a un unique générateur qui a cette forme-là. Donc ça définit de manière unique ces choses-là, qui donc sont des facteurs eulériens au sens qu'on a précisé. Donc on a ça, je vous rappelle que le... Pardon ? Pardon ? Oui ? N'est-elle pas sur E' ici ? E'. Tu veux dire... C'est pareil. Donc, oui, je veux bien. Oui, si tu veux. Oui, c'est E' fois, parce que de toute façon, le déterminant est défini. Oui, tu as raison. Hein, mais simplement, on enlève 0, c'est tout. Donc, pour la mesure, ça ne change rien. Je vous rappelle que. Dans l'énoncé que j'avais donné la dernière fois du problème 2, il y avait une chose qui était extrêmement importante, qui était la caractérisation spectrale des rho fonctions. Donc ici, c'est la propriété 3, qui est comment... c'est la chose suivante. Donc c'est le fait que les rho fonctions admettent une décomposition spectrale. Donc la décomposition spectrale a la forme suivante. Bon, d'abord il y a ce terme qu'on met comme une norme, comme facteur de normalisation, puis une intégrale sur l'espace de tous les caractères unitaires. Pour une mesure d'équi qui ici, comme on l'est dans le cas abélien, est une mesure invariante. Hein, la dernière fois, dans le cas non abélien, j'avais parlé de mesure de Plancherel. Donc, qui de la variable que multiplie Lx' de qui moins 1 à la puissance 1,5. Donc, le Lx', ce qui apparaît ici, c'est celui qu'on a là, mais on le spécialise, vous voyez, en la valeur spéciale 1,5. Que multiplie Px'. De qui donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction là où donc Px' c'est une fonction du caractère qui. Alors on peut se demander ce qui se passe quand on tord cette fonction du caractère qui par la norme du déterminant la puissance S. Ce qu'on a, c'est le produit d'un polynôme en S et de la fonction suivante. À S, on associe Cx', donc la norme de Cx', à la puissance moins 1,5 de S. Ça, c'est dans le cas réel. Et puis, si on est dans le cas complexe, c'est la norme à la puissance moins S. Donc, c'est pas polynomial, comme dans le cas des places ultramétriques. Il y a ces termes exponentiels qui apparaissent en plus.
Hein, mais, donc voilà là, ce qu'on peut dire de la décomposition spectrale des ρe fonctions. Et la dernière propriété, bien sûr, c'est l'expression de la transformée de Fourier des ρe fonctions. Ce qu'on a, c'est que la transformée de Fourier s'écrit comme d'une fonction décomposée spectralement comme ça, s'écrit sous la même forme, sauf qu'on remplace le caractère chi par son inverse. Ici, on remplace le produit eulérien de chi moins 1 par le facteur eulérien de chi. Ici, on garde le même px' de chi, et puis il y a un facteur supplémentaire qui apparaît, qui est le epsilon x' de chi s et de psi x, parce qu'il dépend du choix du caractère psi x. Et donc ces choses-là ici, la seule chose qu'on peut en dire, c'est que, la chose essentielle à dire, c'est que ce sont des exponentielles en la variable s. Hein, exponentielle de une constante fois s. Donc voilà l'expression spectrale à la fois des ρe fonctions et de la transformation de Fourier des ρe fonctions. Alors vous voyez que par rapport à la définition des ρe fonctions en Laplace ultramétrique, il y a plusieurs différences. D'abord, il y a le fait que les ρe fonctions ne sont pas stables par translation générale. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans leur décomposition spectrale, donc j'ai cette condition-là, hein, donc la dépendance par rapport à la partie continue de la dépendance par rapport aux paramètres continus dans l'espace des caractères. Mais quand on regarde l'espace des caractères, il y a une partie continue, il a une composante connexe en quelque sorte, à savoir les caractères de cette forme, mais si on divise par ce sous-groupe connexe, on obtient quelque chose de discret, et là, toutes les composantes apparaissent dans la décomposition. Donc c'est une série qui converge très très vite, mais n'empêche que les termes sont non nuls. Je voudrais modifier un peu la notion de ρe fonction. Hein, donc ici, c'est une modification. Donc ces choses que j'ai introduites, je les appelle les ρe fonctions sur Ex', c'est-à-dire, vous voyez, c'est quelque chose que je comprends comme étant... les ρe fonctions sur Ex', donc quelque chose qui malgré tout reste additif, et donc je voudrais juste modifier un peu la définition par une notion que j'appelle les ρe fonctions sur Ex' fois, hein, donc ce que j'entends simplement par ce très léger changement de notation, c'est que on veut aller dans un sens plus multiplicatif. Alors la définition des ρe fonctions sur Ex' fois, eh bien, c'est simplement toutes les fonctions qui admettent une décomposition spectrale de cette forme, où je demande que les px' vérifient cette propriété. D'accord ? Et j'ajoute comme condition que les px', la fonction px' est supportée dans l'espace de tous les caractères unitaires par un nombre fini de composantes connexes. Voilà, donc c'est juste une petite modification dans la définition. Et j'autorise toutes les fonctions qui admettent une décomposition spectrale de cette forme, où le facteur px' ici est simplement sujet à ces deux conditions, d'une part d'être supporté par un nombre fini de composantes, et d'autre part sur chaque composante d'être une exponentielle en x. Non, c'est même pas ça d'ailleurs, parce que j'ai besoin, donc je vais mettre, je demande, donc maintenant vous voyez c'est plus le théorème, c'est une définition en quelque sorte. Définition des ρe fonctions sur Ex' fois.
Donc, je demande que le PX' soit supporté par un nombre fini de composantes, et je demande que ça soit oui, donc je demande que ça soit le produit d'un polynôme. Produit d'un polynôme en S, hein, la forme générale, produit d'un polynôme en S et d'une exponentielle. Et j'autorise le polynôme et l'exponentielle. Donc ce que j'entends par exponentielle, c'est quelque chose de la forme suivante. Exponentielle de C fois S. Voilà, où C est un élément de R, attention. Hein, donc produit d'un polynôme en S, d'une exponentielle de cette forme, plus bien sûr leur combinaison linéaire. Hein, c'est-à-dire j'autorise la constante C ici à varier. Hein, donc je regarde l'espace engendré par les produits d'un polynôme et d'une exponentielle comme ça. Et je ne mets aucune autre condition, donc je définis comme ça, et les fonctions qui sont définies par des décompositions spectrales de cette forme-là, c'est ça que j'appelle les Rho E fonctions. Alors évidemment, on a la propriété que ces Rho E fonctions maintenant sont stables par translation. Elles sont évidemment, elles restent denses dans l'espace des fonctions de carré intégrable. Elles sont stables par la transformation de Fourier, hein, puisque la transformation de Fourier introduit ce facteur qui est une exponentielle, hein, donc je reste dans le même espace. La connaissance de la transformation de Fourier sur l'espace des Rho, d'abord la connaissance de l'espace des Rho E fonctions équivaut à celle de ces facteurs, des facteurs eulériens. La connaissance de la transformation de Fourier sur ces espaces équivaut à celle des facteurs epsilon. Voilà, donc on a quelque chose qui est plus... Oui ? Quelle différence avec la définition des fonctions de Rho Non, disons la différence, c'est que simplement... Fini, c'est juste le... Oui, il y a deux différences. C'est-à-dire il y a support fini, et puis on autorisait ici un facteur exponentiel pour que ça reste stable par translation. Alors avant, il y avait quand même un polynôme ? Oui. Avant, c'était un polynôme fois une exponentielle fixée. Dans l'exponentielle peut varier. Ici, l'exponentielle peut varier. Voilà. Hein, donc, c'est simple. Disons, ce que je fais, c'est que je prends l'espace précédent. Bon, d'abord, il y a cette condition que je ne veux plus qu'un nombre fini de composantes. Et puis, je veux la stabilité par translation. Voilà. Hein, donc, c'est. Alors, maintenant, on a un espace de Rho fonctions. On a un espace de Rho E fonctions sur EX' fois en toutes les places, et donc on a un espace de Rho E fonctions sur le tore que j'ai noté T indice E. Hein, on prend simplement les produits. Donc on a des Rho E fonctions sur T indice E de Fx, hein, qui est simplement Ex fois. Donc c'est le produit sur les places X' de Ex' fois. Alors j'ai une notion de Rho E fonctions en chaque place. Donc quand j'ai le produit d'un nombre fini de places, je prends simplement les Rho E fonctions sur le produit, c'est les combinaisons linéaires de produits de Rho E fonctions sur chacun des facteurs. Donc, on a maintenant une notion de Rho E fonctions, et on en déduit une notion de Rho T fonctions sur T de Fx, quelle que soit la place X, qu'elle soit ultramétrique ou archimédienne. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement les fonctions
Donc, qu'est-ce que c'est qu'une row fonction? C'est les fonctions phi x qui se déduisent des row fonctions. Donc, ça, c'est une row fonction sur ex fois. Oui, c'est ça. Hein? Donc, c'est-à-dire te de fx. Et ce que j'appelle une row t fonction en bas, c'est les images directes par l'opérateur d'intégration le long des fibres. Plus leur translaté hein, sachant que évidemment si je veux une stabilité par translation il faut que je rajoute des fonctions parce que les fonctions qui sont de cette forme elles sont nécessairement supportées par l'image du morphisme qui va de TE de FX dans T de FX donc je dois prendre aussi leur translaté. Et je prends évidemment les combinaisons linéaires, je prends l'espace engendré. Donc c'est ça que j'appelle espace des rho e fonctions. Et donc maintenant, cet espace de. Déjà, je peux dire qu'en toute place ultramétrique, l'espace défini de rho fonction défini de cette manière-là vérifie toutes les conditions. Donc c'est une proposition ou un corollaire de ce qui précède. Donc je prends x une place ultramétrique. Alors l'espace des rho fonction sur t de fx vérifie toutes les conditions du problème 2 de la fois précédente. Hein, donc j'avais demandé à avoir un espace stable par transformation de Fourier dont la connaissance soit équivalente à celle de Fonctorel où l'action de la transformation de Fourier soit équivalente à celle de facteur epsilon voilà, enfin il y avait un certain... Pardon ? Sur rho t fonctions. Oui, voilà. L'espace des rho t fonctions sur t de fx vérifie toutes les conditions du problème 2 avec évidemment le facteur L en Laplace X, donc lié maintenant à rho t d'un caractère qui z. Alors ici, qui c'est quoi? Qui c'est un caractère qui va de t de fx dans ces fois. Et évidemment, je peux le composer avec l'homomorphisme rho t qui va de te de fx dans t de fx. Et donc, simplement, j'ai que ça, c'est lx de rho e, hein, celui que, dont j'ai déjà parlé avant, de qui composé avec rho t de Cech, z. Donc, ce lx, je vous rappelle que quand vous avez l'espace de rho fonction, vous retrouvez les facteurs L. Par les intégrales de ce type, les intégrales contre les déterminants, et réciproquement, quand vous avez les fonctions L, vous récupérez l'espace des rho fonctions parce que les facteurs L vous permettent de définir toutes les fonctions d'un certain type. Vous avez si vous calculez les fonctions L à partir de cet espace de rho t fonction, bah vous retrouvez celle que vous aviez déjà. Plus exactement, la fonction L de qui, c'est la fonction L classique de qui composée avec rho t de Cech, et la même chose, bien entendu, pour les facteurs epsilon. Donc on a que epsilon x de rho t qui z est égal au lx de rho e qui rho t de Cech
z, hein, donc c'est epsilon x. Voilà, et ça, c'est le, simplement les facteurs epsilon classiques. Alors ici, oui, on peut juste préciser un peu ce que ça signifie un peu plus concrètement. Donc maintenant, donc ça c'était en une place ultramétrique. Et maintenant, si je prends une place archimédienne, eh bien j'ai que les roues fonctions, c'est des choses qui s'écrivent sous cette forme-là. Donc fx de point, c'est le det indice g de point, ici je prends la norme x à la puissance moins 1,5, que multiplie l'intégrale sur les caractères qui de t de fx dans ces fois qui sont unitaires. Donc avec les notations que j'avais utilisées la dernière fois, c'est la partie imaginaire de ce que l'ensemble des caractères, enfin je l'avais noté des pi parce que je regardais un g général. Ici, c'est le tor t en Laplace x. Dki, donc ça, c'est la mesure de Plancherel. Ici, c'est simplement la mesure invariante. Que multiplie qui de points. Que multiplie le lx de rho t qui moins 1. Lx de rho t qui moins 1, et je spécialise en 1,5. Voilà, et puis ici, on autorise un px de qui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce px qui est là? Il est supporté par un nombre fini de composantes connexes de l'espace des quis. Et maintenant, quand je regarde sa restriction à n'importe quelle composante, donc ici, sur la composante, il y a des coordonnées naturelles qui sont des éléments S1, SK. Donc c'est des coordonnées complexes. Évidemment, si on considère simplement les caractères unitaires, c'est des coordonnées qui sont imaginaires pures. Et donc je demande que ceci soit donc c'est une combinaison linéaire de produits de polynômes en les coordonnées S1, SK que multiplie une exponentielle en les coordonnées en question, donc C1, S1, plus, etc., plus CK, SK, où les coefficients C1, CK sont des nombres réels. Voilà, donc les rho fonctions en les places archimédiennes ont cette forme-là. Voilà. Donc, bon, on va faire une pause dans la deuxième partie de l'exposé, je voudrais parler de la formule de Poisson pour les tors, hein, pour ces tors-là, donc la formule de Poisson qui est associée à ça, qui déjà, vous remarquez que pour quand vous regardez la formule de Poisson sur TE, bien sûr, elle s'écrit par évaluation sur les points de TE de F, c'est-à-dire de E fois, plus le bord. Et le bord, ici, c'est simplement le zéro qu'on ajoute. Alors, bien sûr, quand on passe au quotient par le sous-tor Théro, on peut toujours ajouter, considérer que ce quotient a un bord, effectivement, il a un bord, mais les rotées fonctions, au sens que j'ai dit, ne se prolongent pas au bord.
Donc, le terme de bord dans la formule de Poisson ne peut pas s'exprimer comme une simple évaluation. Hein, donc, ce que je voudrais expliquer, c'est que la formule générale que j'ai proposée la fois dernière, pour une formule de Poisson générale, eh bien, dans ce cas-là, en particulier, s'applique. Voilà, donc je voudrais expliquer ça, d'une part. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, je voudrais revenir sur la définition du noyau de la transformation de Fourier sur T, de façon à préparer ce qu'on fera la fois suivante. Quand vous avez le tor T, donc le tor T c'est un tor maximal de G, et la fonction noyau restreinte à T, c'est donc une fonction sur T qui est invariante par l'action du groupe de Weyl. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette fonction se prolonge naturellement à G en une fonction sur G de Fx qui, évidemment, soit invariante par conjugaison. Donc, je vais dire qu'il y a un prolongement naturel, mais avec l'avertissement que, en fait, ce n'est pas le bon noyau de la transformation de Fourier sur G, mais néanmoins, il y a un lien entre ce que je vais introduire à la fin de l'exposé aujourd'hui et les noyaux de la transformation de Fourier générale sur un groupe réductif G dont je parlerai la fois suivante. Hein, donc, en fait, ce n'est pas inutile de dire qu'il y a un prolongement naturel. Hein. Vous voyez, dans la transformation de Fourier classique, le noyau sur la diagonale, c'est simplement le psi x de la somme des éléments. Et évidemment que ça prolonge le noyau sur les matrices. Hein, mais en général, ce n'est plus vrai. Donc il y a une subtilité qui apparaîtra la fois prochaine. Vous parlez de polynôme caractéristique ou c'est autre chose? Non. Si un truc sur T invariant par W, pour un truc sur G, on peut composer avec le polynôme caractéristique. Oui, mais non, c'est pas ça. Hein, donc voilà. Bon, donc on fait une pause de 5 minutes ou un peu plus. Voilà, donc je voudrais parler de la formule de Poisson sur le tor. Hein, donc on dispose de la transformation de Fourier en chaque place. Donc en chaque place x de f, on a une transformation de Fourier, donc phi x flèche sur t de fx. On a aussi un espace de rho fonction. Et puis en toute place x appartenant à f ultramétrique et non ramifié, on a aussi dans l'espace des rho fonctions ce que moi j'avais appelé la rho fonction standard d'autres auteurs appellent la rho fonction spéciale. Donc, est simplement la fonction sphérique, c'est-à-dire invariante par le sous-groupe ouvert compact maximal, dont la transformée de Satake est la fonction L. Voilà. Et donc, comme on a ça, comme on a ces trois données-là, on en déduit l'existence d'abord d'un espace des rho fonctions globales. Donc je rappelle la définition générale que j'avais donnée la dernière fois. Une rho fonction globale, c'est simplement une combinaison de produits de rho fonctions locales dont tous les facteurs sauf un nombre fini sont la rho fonction standard. Hein? Donc sachant que la transformée de Fourier de la rho fonction standard est elle-même. En presque toutes les places. Donc on a cet espace des rho fonctions globales et on a une rho transformation de Fourier globale sur T2A. Alors, le théorème, c'est que
On a une formule de Poisson sur T2A, mais donc on considère f de T2A dans C une rho fonction. Donc on dispose aussi de sa transformée de Fourier, hein, c'est également une rho fonction. La formule de Poisson s'exprime sous forme multiplicative, hein, puisque déjà on ne peut pas prolonger au bord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on prend une place ultramétrique où la fonction f se décompose comme un produit. Hein, donc ça c'est en Laplace x, ça c'est le facteur en toutes les autres places. Le facteur en Laplace x est non ramifié. Donc ça veut dire qu'il est invariant par t de Ox, hein, à valeur dans C. Donc là, en particulier, Laplace x est non ramifié pour G ou pour T. Comme il est non ramifié, je peux lui associer en utilisant sa décomposition spectrale, c'est-à-dire sa transformée de Satake, je peux écrire cette fonction fx comme une somme avec une double. Alors, donc j'avais fait ça la dernière fois en général. Donc on écrit la fonction fx comme une somme de fonctions fx et n'. Donc la formation de ces fonctions à partir de celle-là dépend de la. Enfin, elle se lie sur la décomposition spectrale. Hein, et on a que fx, chaque fx nn prime et sa transformée de Fourier sont à support compact. Alors que bien sûr, ce n'est pas le cas des fonctions fx qui sont considérées comme des fonctions sur le tore. Voilà. Donc on considère ces choses-là. Le n, c'est le déterminant ou... Le n, donc la manière dont on procède, donc c'est la suivante, c'est que on décompose cette fonction spectralement, donc c'est le det.x puissance moins 1/2 fois l'intégrale, donc là c'est une intégrale sur les caractères non ramifiés, de dki lx de qui moins 1 de qui moins 1 donc enfin qui moins 1 de rho t qx puissance moins 1/2 fois ici ça c'est c'est la décomposition, donc on va noter ça fxq, hein, c'est la décomposition spectrale, donc ceci c'est un vecteur propre pour le caractère qui, hein, et la variable c'est polynomial en qui, donc tandis qu'ici il y a un dénominateur, d'accord, et la fonction fx nn prime elle est définie à partir de celle-là en multipliant par des polynômes x de rho t, xn de rho t qui moins 1 qx puissance moins 1/2 fois xn prime de rho t qui, donc vous voyez ici vous avez qui moins 1, là vous avez qui, qx puissance moins 1/2. Alors qu'est-ce que c'est que le ixn de rho t qui z? C'est le produit de simplement d'abord le facteur L lui-même à la puissance moins 1, hein, l'inverse du facteur L est un polynôme. Ceci est un polynôme. Donc c'est ceci multiplié par le monôme en Z puissance N, vous voyez le monôme de degré N en Z, dans le développement en série formelle de la fonction L. D'accord, donc la fonction L apparaît deux fois, une fois au numérateur, une fois au dénominateur. Donc ceci, là vous avez un polynôme, et là vous avez son inverse. Ce polynôme, il est toujours de la forme 1 plus quelque chose. Donc on peut le développer en série formelle, et on prend le truc de degré n.
Donc ça veut dire quand on fait la somme sur tous les n, dans l'anneau des séries formelles, on obtient 1. Voilà, donc c'est cette définition-là. Et donc dans la décomposition spectrale, ben, on multiplie par ces deux choses-là. Avec pour effet que, évidemment, le facteur Lx puissance moins 1 qui apparaît là se simplifie avec ça. Donc on n'a plus qu'un polynôme. Donc toutes les fonctions qu'on a sont des fonctions à support compact, de même que leur transformée de Fourier, parce que quand on prend la transformée de Fourier, le nouveau dénominateur qui apparaît se simplifie avec ça. Voilà. Donc c'est simplement, on fait cette définition. Ce n'est pas comme il faut, lorsque tu as une fonction dans T, décompose selon l'évaluation du terminant. Oui, c'est presque ça. C'est presque ça. Mais pas tout à fait. Parce que là, c'est la décomposition est spectrale. La... Spectrale, ça correspond à terme de... Ouais, ouais. C'est-à-dire, tu vois, tu écris la décomposition spectrale de ta fonction, et donc... Je ne comprends pas pourquoi il y a deux entiers. Bah, n et n', ici, tu as xn et là, xn'. Je veux un entier, je veux quelque chose qui correspond à la fonction et quelque chose qui correspond à sa transformée de Fourier. Tu vois, ici, j'ai du qui moins 1, là, j'ai du qui. Bon, enfin, c'est... voilà. Donc, voilà, c'est défini comme ça. Non, mais disons, une propriété importante, c'est que la formation de fx à nn' à partir de fx commute avec les translations à gauche ou à droite. Tu vois, donc, ce n'est pas tout à fait la décomposition suivant le support. Donc on a cette définition, et alors, donc la première assertion du théorème, avec cette définition-là, c'est la chose suivante. Donc je regarde alors la série formelle suivante. Donc c'est la somme sur tous les nn primes de z à la puissance n plus n prime fois la somme avec gamma appartenant à t de f de fx nn prime produite tensorielle avec f en dehors de x. Donc vous voyez, on a gardé la fonction f, sauf qu'on l'a modifiée en Laplace x. Et ce truc-là, on l'évalue en gamma, et puis on fait la somme sur tous les nn primes. Donc c'est une série formelle, en z. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Premièrement, c'est une fraction rationnelle en z. Deuxièmement, elle converge, cette fraction rationnelle en z, converge absolument si, donc on prend pour z un nombre complexe, de modules inférieurs à qx à la puissance 1/2. Et sa valeur en z égale 1, vous voyez que en z égale 1, la série converge absolument, sa valeur en z égale 1 ne dépend pas du choix de la place x. Donc ça, c'est la première propriété du théorème. La deuxième propriété, bah, c'est la formule du Poisson, s de f. Donc cette chose-là, cette valeur, je l'appelle s de f. Hein, j'ai dit, elle ne dépend pas de la place f, donc la deuxième propriété, ben, c'est s de f égale s de f chapeau. Autrement, alors une chose que je fais, c'est que je note somme avec gamma appartenant à t bar de f de gamma, mais attention, je le mets entre guillemets, ce n'est pas une évaluation. Un t-bar a bien un sens, c'est une variété torique dans ce cas-là, mais
J'expliquerai plus dans en fait plus tard ce que c'est que tes barres peut-être. En tout cas, on n'a pas d'évaluation. Donc, je note ceci. C'est quoi? C'est la somme sur les gamma appartenant à T de F de F de gamma plus la somme avec gamma appartenant à T de F de F chapeau de gamma. Donc, vous voyez, ces deux sommes sont symétriques par rapport à la... cette somme est fixe par la transformation de Fourier. Et je prends moins S de F. Donc, ce que j'ai écrit là, c'est équivalent à dire que ceci est égal à la somme sur les gamma appartenant à T bar de F des F chapeau de gamma. Alors, pourquoi avoir introduit cette notation? C'est que si, donc c'est la propriété 3, si F se factorise de cette manière avec fx de t de fx dans C à support compact, d'accord? C'est-à-dire il n'y a pas, en quelque sens qu'on prenne le bord, le prolongement au bord, c'est zéro. Donc supposons que le support en au moins l'un des facteurs est à support compact, alors la somme avec les gamma appartenant à t bar de f de gamma, entre guillemets, c'est simplement l'évaluation avec gamma appartenant à T de F de gamma. Voilà. Donc ici, on a une forme linéaire définie sur l'espace des rho fonctions globales qui est invariant par la transformation de Fourier et qui se spécialise en l'évaluation en les points quand F est à support compact en l'un des facteurs au moins. Voilà. Alors bien sûr, si vous prenez T égale TE, eh bien cette forme-là coïncide avec la forme classique, c'est-à-dire avec l'évaluation sur les points. Alors, voilà, donc on a ce théorème qui résulte de la formule de Poisson sur TE. C'est-à-dire la formule de Poisson linéaire. On prend simplement la formule de Poisson linéaire et on regarde sa partie invariante par T rho. Hein, simplement, pour pouvoir prendre la partie invariante par T rho, il faut avoir mis la formule de Poisson classique sous une forme multiplicative. Voilà. Et donc, c'est ça que... Il n'y a pas de poids. De poids. Il n'y a pas de poids dans le... Pour chaque gamma, il n'y a pas de poids. Non, mais là, de toute façon, c'est une notation entre guillemets. Hein. Donc sur la partie... Non, on évalue en les points de TF, il n'y a pas de poids. Comme dans la formule de Poisson classique. La formule de Poisson classique, tu as une fonction, tu l'évalues en les points... tu te places sur les adèles, tu as une fonction... Dans le cas réel, ces formules classiques, quand tu regardes les fonctions sur le plan, elles varient par la rassemble du cercle... Donc, tu peux être une confusion, mais... Non. Dans le cas, il y a un poids, mais bon, c'est pas... Non, non, mais là, il n'y a pas de poids. Hein, de même que si tu prends la formule de Poisson adélique, hein, tu regardes dans la thèse de Tate, c'est simplement, tu évalues en les points de F. Non, non, mais le poids vient du tore. Tu parles de quinte quotiente. Je ne sais pas, mais... Non, donc ici, il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein, parce que c'est vraiment... C'est-à-dire, quand tu considères ça, là, par exemple, si tu remplaces F par F translaté par T, donc cette somme-là, considérée comme une fonction de T, est une fonction automorphe. Voilà. J'ai intitulé le paragraphe conséquences pour le groupe G. Alors évidemment, avec la formule de Poisson pour les tores, on ne va pas pouvoir démontrer la formule de Poisson pour les groupes arbitraires. Néanmoins, il y a quand même une conséquence que je veux écrire, parce qu'on peut considérer ça comme une forme approchée de la formule de Poisson sur G.
Hein, donc maintenant, je me souviens que T est le tore maximal du groupe réductif G. Hein, et G est muni de la représentation de transfert. Rho. Voilà, je me souviens que je suis dans cette situation. Et je considère deux fonctions, F1 et F2, sur G de A, à valeur complexe. Alors, d'abord, je suppose qu'elles sont invariantes par un sous-groupe ouvert compact de G des adèles, je ne sais pas comment les appeler, les adèles finies ou les adèles ultramétriques. Hein, donc ça veut dire en chaque place c'est invariant, en chaque place ultramétrique c'est invariant par un sous-groupe ouvert compact. En presque toutes les places, le sous-groupe en question c'est G de OX, simplement. Ça veut dire ça. Maintenant, en les places archimédiennes, je suppose que F1 et F2 sont des fonctions c'est infini. Voilà. Et maintenant, je vais mettre une hypothèse sur les termes constants de ces fonctions. Donc, je regarde un élément. Donc, G, ça va être un élément d'un sous-groupe compact de G de A quelconque. Simplement, je veux que toutes ces puissances restent dans un compact. Et je vais regarder les termes constants associés. Donc les termes constants, c'est des fonctions des éléments du tore. Donc je forme le... Alors, ici, donc la dernière fois, j'avais introduit un certain caractère, le det indice B hein, de T. C'est un truc qui... Ici, il y a une certaine torsion. Ici, je prends la fonction F1 translatée par cet élément G. Et puis, je prends son terme constant. Hein, donc je rappelle que ça, c'est quoi ? C'est simplement le caractère modulaire, la norme globale à la puissance moins 1,5 que multiplie l'intégrale sur le radical unipotent de B de F1 de U T G DU. Voilà, hein, c'est la définition du terme constant. Donc je fais ça pour la fonction F1. Et puis, j'ai la même chose pour la fonction F2. Donc, il y a cette torsion par ce caractère dont j'ai parlé la dernière fois. F2, alors ici, il faut multiplier par G-1 de l'autre côté. Et on prend le terme constant qu'on évalue en T. Donc, j'ai ces deux fonctions. J'ai pris les deux termes constants associés à F1 et F2. Et donc l'hypothèse, c'est que ces termes constants sont bien définis. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que ce sont des ρT fonctions globales. Et la troisième hypothèse, c'est que le second terme constant, le second, donc je vais le noter comme ça, eh bien, il se déduit du premier par la ρT transformée de Fourier. Hein, je mets, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire que la transformation de Fourier sur G. Mais j'ai une transformation de Fourier sur T, donc ça a un sens de demander que les termes constants, non seulement de F1 et de F2, mais de leur translater, hein, quand je translate F1 à droite par un élément G d'un sous-groupe compact,
eh bien, je dois translater F2 à gauche par G-1. Donc, je demande que les termes constants de tous ces translatés soient transformés de Fourier l'un de l'autre, au sens de la transformation de Fourier sur T associée à la représentation ρ T. Donc, ça, c'est les hypothèses. Et ces hypothèses étant faites, malgré tout, on peut tirer certaines conclusions. Alors, je vais reprendre la structure du théorème précédent. Donc, je me donne x une place ultramétrique. En laquelle G et ρ sont non ramifiés, et F1 et F2 se décomposent comme F1x, donc c'est le facteur en x fois un facteur en dehors de x, même chose pour F2, où F1x et F2x, je suppose que ce sont des fonctions sphériques. Bon. Maintenant, donc, ces fonctions sont sphériques. Et donc, pour les connaître, il suffit de connaître leur transformée de Sataquet. Pour connaître la transformée de Sataquet, il suffit de connaître les termes constants. Bon, mais les termes constants, j'ai supposé que c'était des rotées fonctions globales. Donc ça veut dire que les facteurs locaux sont des rotées fonctions locales. Donc ici, les termes constants de F1 et F2, je les vois comme des rotées fonctions locales. Autrement dit, ça veut dire que la transformée de Sataquet, c'est une fraction rationnelle avec au dénominateur les facteurs L. Donc je peux former, à partir de F1x et F2x, je peux former exactement par le même procédé que tout à l'heure les fonctions déduites f1 de x de indice nn' et f de x indice nn'. Donc ça a un sens, quels que soient les entiers nn' appartenant à n. Hein, et ici encore, f1 est la somme des f1x, f1x pardon, est la somme des f1x nn'. Sur tous les paires d'entiers nn', et de même pour f2x. Et donc je peux former maintenant les séries formelles suivantes. Je fais la même chose que tout à l'heure. La somme sur les paires d'entiers n et n' de... Alors, ce que j'ai envie de faire, bien sûr, c'est la somme sur les gamma appartenant à g de f de f1x de nn'. Produit tensoriel F1X de gamma. Donc j'ai envie de faire ça et de former cette série formelle et de dire l'énoncé que j'avais donné la dernière fois, c'est-à-dire que la valeur régularisée en Z égale 1 ne dépend pas de X, blablabla, qu'elle est stable par transformée de Fourier. Donc ici je ne peux pas faire ça parce que je ne sais même pas ce que c'est que la transformée de Fourier globale. Mais ce que je peux faire, c'est prendre les termes constants. Donc ici, je prends la somme sur nb des adl divisé par nb de f, du. Et ici, je mets ça. Donc j'ai d'une part cette série formelle, et d'autre part la série formelle symétrique formée du de nb de a divisé par nb de f. Somme sur les gamma appartenant à G de F de F de X NN prime F de X en F de X en haut que j'évalue en gamma U moins 1. Donc je forme ces deux séries formelles. Alors la première chose la première partie du lemme, c'est que ces deux choses là d'abord sont des fractions rationnelles en Z. Je peux dire quelque chose de plus, c'est que ces fractions rationnelles sont égales. J'ai deux fractions rationnelles, elles sont égales.
Deuxièmement, leur valeur régularisée en z égale 1, donc je les note sb de f, ah oui, et sb de f1 et s'b de f2, ne dépendent pas du choix de la place x. Alors, qu'est-ce que j'appelle valeur régularisée en z égale 1 ? Si ma fraction rationnelle n'a pas de pôle en z égale 1, c'est simplement la valeur de la fraction rationnelle en ce point. Attention, quand j'étais dans le cas des tores, j'avais dit que les fractions rationnelles correspondantes convergeaient au voisinage de z égale 1. Ici, ce n'est plus le cas. Il peut y avoir un pôle en z égale 1, et en général, il y en a un. Mais ce qu'on peut faire, c'est quand on a une fraction rationnelle qui a un pôle en z égale 1, on peut enlever la partie polaire. Hein, c'est-à-dire cette fraction rationnelle, on l'écrit R de Z égale R0 de Z. Donc ça, c'est une fraction rationnelle qui n'a pas de pôle en Z égale 1, plus la somme sur des i compris entre 1 et k de certains coefficients AI sur Z moins 1 à la puissance i. D'accord ? Hein, et donc la valeur régularisée en Z égale 1, c'est R0 de 1. Donc j'ai enlevé la partie polaire. Hein, quel que soit l'ordre de la partie polaire. Hein, ça a un sens de faire ça, et ce que je dis, c'est que la valeur régularisée de cette fraction rationnelle en z égale 1 ne dépend pas du choix de Laplace, et comme ces deux fractions rationnelles sont égales, ben, bien sûr, j'ai que sb de f1 égale s'b de f2, qui est une forme, donc si on veut, approcher de formule de Poisson. Et puis, bon, également un deuxième énoncé que je ne donne pas, qui dit ce qui se passe quand l'un au moins des facteurs de F1 ou F2 est un support compact. Hein, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de former la série formelle, vous avez une formule exactement analogue à celle que j'ai donnée dans le cas des tores. Voilà. Donc, bien sûr, du point de vue de la functorialité, quand on prend les termes constants comme ça, la seule chose qu'on voit, c'est les séries d'Eisenstein, c'est-à-dire la partie triviale de la functorialité. Quand même, on a cet énoncé, et je précise que, quand même, pour montrer cet énoncé à partir du précédent, il faut travailler pas mal. Voilà. Parce que, il y a une difficulté qui provient du spectre discret non cuspidal, du spectre automorphe discret non cuspidal. C'est lui qui fait apparaître éventuellement des pôles de ces fractions rationnelles en z égale 1. Alors, j'ai presque fini, mais je voudrais expliquer maintenant que les fonctions noyaux. Donc c'est le paragraphe 4. Donc c'est un prolongement naturel des fonctions noyaux. Alors, je suis toujours dans cette même situation. Hein, j'ai T qui est plongé comme tore maximal dans le groupe G. Et sur T en une place Fx, je dispose de la fonction Kx rho T. Hein, et je rappelle que cette fonction, elle est définie par intégration sur les fibres de la fonction noyau de la transformation de Fourier linéaire, c'est-à-dire ψx composé avec la trace. Alors, comme j'ai dit, cette intégrale ne converge pas absolument, mais quand on la tronque et qu'ensuite on passe à la limite, on obtient quelque chose, on obtient une fonction bien définie. Voilà. Donc, ce que je
Je voudrais faire la chose suivante. Donc, bon, on a T de Fx qui, bien sûr, donc T de Fx est plongé dans G de Fx. Et sur T de Fx, on a l'action du groupe de Weyl. Donc d'abord, une chose qu'on vérifie tout de suite sur la définition, c'est que la fonction qu'on a définie est invariante par l'action du groupe de Weyl. Donc ici, je prends le quotient par l'action du groupe de Weyl, et bien sûr que ceci est plongé dans G de Fx divisé par l'action de G de Fx par conjugaison. Mais évidemment que là, on a beaucoup plus de points que ici, hein, parce que ceci, là, c'est enfin, en tout cas, on a un morphisme qui va dans T divisé par l'action du groupe de Weyl à coefficient dans Fx, et bien sûr qu'il y a beaucoup plus de points ici que là. sauf quand Fx est algébriquement clos, donc quand Fx est égal à C, donc là, il n'y a pas de problème, vous n'avez rien à faire. En revanche, dans les autres places, il y a quelque chose à faire, donc que je voudrais expliquer dans le cas déployé. Bon, le cas non déployé étant fait dans les notes. Donc pour ça, on a besoin d'un lemme. Hein, donc on est toujours dans la même situation, mais on va supposer en plus que le groupe réductif G est déployé sur F. Donc on suppose dans ce cas-là que gamma F agit trivialement, donc il n'y a pas d'action du groupe de Galois sur C puissance R. Donc vous avez simplement que vous avez une suite comme ça, là, ici c'est simplement TR, hein, qui est GM à la puissance R, et T est un quotient de GM à la puissance R. Vous êtes dans cette situation. Alors, vous avez G chapeau qui s'envoie par rho dans GLR de C. Alors ici, sur G chapeau, bien sûr, vous avez le groupe de Weyl de G chapeau qui est le même que celui de G. Et puis ici, vous avez le groupe de Weyl de GLR qui est sigma R. Alors, on aimerait bien voir ce morphisme comme étant équivariant d'une certaine manière. Alors, on va faire la chose suivante. On introduit une définition d'abord. Je vais noter donc sigma R au rho. Donc, c'est quoi ? C'est l'ensemble des éléments du groupe de Weyl de GLR tel que cet élément respecte le sous-tor T chapeau considéré, donc T chapeau est considéré via rho T comme un sous-tor de TR chapeau qui est égal à C fois puissance R. Hein, donc ça a un sens de regarder les permutations qui respectent ce sous-tor. Et induit sur T chapeau une action qui coïncide avec celle d'un élément du groupe de Weyl. Ah, donc ça a un sens de définir ce sous-groupe. Maintenant, cette notation étant posée,
On peut faire la chose suivante, c'est que maintenant on a évidemment un morphisme naturel de restriction de ce sous-groupe de sigma R dans le groupe de Weyl de G. Et donc la première partie du lemme, c'est que cet homomorphisme est surjectif. Il est surjectif, il n'est pas nécessairement bijectif, mais on peut faire la chose suivante. Donc on considère ça reste... il est surjectif, et son noyau est... donc le sous-groupe... des éléments de sigma, c'est-à-dire des permutations qui respectent la partition de l'ensemble 1, 2, R définie par la relation d'égalité entre caractères, rho ti. Donc je rappelle que rho t, c'est l'homomorphisme qui va de t dans tr chapeau, qui est cfa puissance r. Donc rho t, ça s'écrit comme une collection de r caractères. Donc c'est une collection de caractères indexée par 1 de r, et la relation d'égalité entre ces caractères définit une partition de l'ensemble d'indices 1 de r. Hein, donc le noyau de cet homomorphisme, c'est les permutations qui respectent cette partition. Pour annuler le noyau, ce qui est facile à faire, c'est que on considère l'ensemble des W appartenant à ce groupe tel que W respecte l'ordre de chaque partie définie par la partition, c'est-à-dire de chaque partie, l'ensemble des i, tel que rho ti est égal à un certain mu. Pour chaque mu, je demande de respecter l'ordre. Bon, et comme ça, on a défini un sous-groupe de ça, dont l'intersection avec le noyau est triviale. Et on a que l'application qui va de ça dans WG est un isomorphisme. Donc on a réussi à plonger WG comme un sous-groupe du groupe des permutations. Donc ce lemme est tout à fait général, la prochaine fois on regardera principalement le 4GL2, donc là dans le 4GL2, les choses sont vraiment très très simples. Hein. Oui, pardon. Oui, il est dans mes notes, oui. Cette année ou l'année dernière? Il était peut-être dans mes notes il y a plusieurs années. Non, je crois, même je sais, il était dans certaines de mes notes, déjà. Mais je pense dans le groupe AV, 300 ou 400 pages, quelque part, il y avait ce lemme. Hein? Donc un exemple, c'est simplement la puissance symétrique Km, hein, qui va de G chapeau égale GL2 de C divisé par mu K dans GL K plus 1 de C. Donc ici, l'ensemble d'indices, c'est 0, 1, K. Et le groupe de Weyl, dans ce cas-là, c'est sigma 2. Donc, qu'est-ce que c'est que le sous-groupe? C'est évidemment c'est le sous-groupe engendré par la permutation qui envoie chaque i sur k-i. Non?
Ici, chaque poids, chaque caractère apparaît avec la multiplicité 1. Donc, vous avez même vous avez le groupe sigma RO, là, il est déjà isomorphe à WG. Bon, donc on a ce truc-là, on a cet énoncé. Et à partir de là, vous avez maintenant, vous regardez l'homomorphisme. Donc, c'est un corollaire. Bon, je sais pas si. De toute façon, la démonstration sera dans les notes, mais c'est pas difficile. Hein, ça utilise simplement le fait que. Ça utilise le théorème que les invariants sur. Les invariants par conjugaison sur G chapeau. C'est les invariants sur T chapeau par le groupe de Weyl. Hein, c'est-à-dire on a un homomorphisme qui va de C de G chapeau invariant G chapeau. Donc voilà. Donc ici on a le G donc C de GLR chapeau invariant par conjugaison vers GLR chapeau. Donc ça c'est l'homomorphisme simplement de restriction. Et ça c'est quoi? C'est C de T chapeau invariant sous l'action du groupe de Weyl, et ça c'est C de T chapeau R, les invariants par sigma R. Donc on sait qu'on a une application bien définie qui est donnée par la restriction. Donc cette application bien définie, elle dit la chose suivante, elle dit que si on donne un polynôme là-dessus qui est symétrique pour sigma R, eh bien sa restriction à T chapeau est symétrique pour WG. Et alors, on regarde ce que ça signifie comme relation entre ces groupes, et ça signifie exactement ça. Voilà. Donc, bon, alors le corollaire de cette chose-là, c'est la chose suivante, maintenant, c'est que j'ai l'homomorphisme rho T chapeau, qui va de T, de TR, ici, donc c'est TR égale TE, hein, dans T. Bon, mais maintenant, cet homomorphisme, il devient équivariant pour l'action WG. Donc, j'ai un morphisme induit qui est bien défini, comme ça. Hein? Alors, bien sûr, ici, il y avait des structures de Thor. Là, quand je passe au quotient, j'ai perdu les structures de Thor. Mais j'ai un homomorphisme bien défini, et en particulier, en chaque place X, j'ai un morphisme bien défini. Comme ça. Et par ailleurs, parmi les données, vous voyez, j'ai cet homomorphisme qui va de TR sur j'ai voulu dire je les mets en haut parce que parfois je veux regarder les groupes de Weyl FX rationnels et dans ce cas-là je mets un X en bas, hein. Donc je les mets donc, maintenant, j'ai TR sur WG, muni de ce morphisme vers T sur WG. Bon, bien sûr, le TR sur WG, il se plonge dans T bar R sur WG. Hein, T bar R, c'est simplement A1 à la puissance R. Donc là, j'ai un morphisme qui est bien défini, le morphisme de trace vers A1. Parce que le morphisme de trace, a priori, il est défini sur A1 puissance R, c'est la somme des coordonnées, mais la somme des coordonnées, c'est stable par l'action du groupe de Weyl. C'est ça, c'est stable par les permutations. Donc, j'ai un diagramme bien défini. Et donc, si maintenant je regarde T sur WG de FX, ici j'ai TR sur WG de FX, et ici, j'ai psx rond trace
donc une fonction à valeur complexe. En fait, à valeur dans les nombres complexes de module 1. Et évidemment, ce que j'ai envie de faire, c'est de définir une fonction-là par intégration le long des fibres. Hein? Alors, déjà, la fonction est bien définie. Il me reste à voir que... y a une mesure relative qui est bien définie et qui prolonge la mesure naturelle sur T indice rho. Alors là, attention, les fibres de ça, sur les fibres de ça, il n'y a pas d'action de T indice rho. Enfin, il y a une action, si vous passez au corps algébriquement clos, là, il y a une action, mais quand vous prenez un élément à valeur de Fx, à moins que cet élément se relève en un élément de T de Fx, sur la fibre, il n'y a pas d'action de T indice rho de Fx. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est la chose suivante, c'est que vous regardez le module des différentielles relatives de Tr sur T. D'accord. Et puis, vous prenez... donc ça, c'est un module localement libre qui est bien défini. Et vous prenez sa puissance extérieure maximale. Donc c'est un fibré inversible qui est engendré par une certaine forme différentielle. Donc tout ceci est algébrique. Voilà, vous prenez la forme différentielle qui est invariante. Ici, vous avez pris la forme différentielle qui est invariante par l'action du tore. Donc, elle est invariante par l'action du tore. Elle est également invariante par l'action du groupe des permutations, en particulier par l'action du groupe de Weyl. Comme elle est invariante par l'action du groupe de Weyl, elle se descend en une forme différentielle sur le quotient, c'est-à-dire une forme différentielle relative pour ceci au-dessus de cela. Bon, et là, d'après André Weyl, quand on a comme ça une forme différentielle, elle définit une mesure. Hein, donc on a une mesure sur chaque fibre qui est induite par cette forme différentielle algébrique. Et quand on regarde la restriction de cette mesure aux fibres qui se relèvent en des points de Fx, la restriction de cette mesure, c'est simplement la mesure invariante qu'on a considérée au départ, à une constante près. Alors on multiplie par la même constante partout, et comme ça on a défini une fonction. Donc maintenant, ce dont on dispose, c'est d'un opérateur. Ceci, cette forme différentielle-là, induit un opérateur qu'on a envie d'appeler comme ça. Donc c'est un opérateur d'intégration le long des fibres, qui, quand on a une fonction de TR sur WG de Fx à valeur dans C, eh bien, ça lui associe une fonction sur T de WG, donc de Fx à valeur dans C. Donc on a un opérateur d'intégration qui est bien défini, enfin qui est défini naturellement et qui prolonge celui qu'on avait déjà. Et donc ça a un sens d'appliquer cet opérateur d'intégration à la fonction psi x rond trace. Alors exactement comme tout à l'heure, si je regarde les choses brutalement, ça ne converge pas. Enfin, la convergence n'est pas absolue, parce que les fonctions sont toujours de module 1, mais c'est des fonctions qui oscillent beaucoup. Donc, quand on tronque par une fonction suffisamment régulière, puis qu'on passe à la limite, ça converge. Voilà. Donc, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que le noyau... que j'avais tout à l'heure, le noyau Kx ρt se prolonge sur il se prolonge naturellement en une fonction sur g de Fx qui est invariante par conjugaison et même par conjugaison stable. Mais comme on verra la prochaine fois, en fait, c'est pas tout à fait le bon noyau. Voilà.
Donc la prochaine fois, ce que je veux faire, c'est... excusez-moi, je m'aperçois que je suis en retard, comme d'habitude. La prochaine fois, je veux examiner... c'est-à-dire passer à une situation non abélienne. Hein, et ce que je vais regarder, c'est principalement le groupe GL2, muni des représentations de transfert définies par les puissances symétriques. Hein? Bon, comme j'ai déjà dit au début du premier cours, maintenant il faut faire un cours chaque année, donc ce que je veux raconter n'est pas entièrement prêt. Donc, j'ai pas vérifié toutes les convergences, loin de là. Donc, les calculs que j'expliquerai la prochaine fois sont des calculs qui sont principalement formels. Hein, cela dit, j'ai une confiance... j'expliquerai pourquoi j'ai confiance en ces calculs. Voilà, il y a... Donc, ça sera principalement des calculs formels. Voilà. Donc, la prochaine fois, s'il reste des auditeurs... je m'occuperai du cas GL2. Voilà. Je dirais que les fonctions que tu définis ici sur les torts se prolongent sur les phases de conjugaison. Oui. Donc d'abord, là, c'est oui. Ça. Oui. Elles se prolongent de cette manière-là. Hein, donc, et même, c'est même invariant. Tu vois, ça dépend simplement des invariants. C'est-à-dire, tu envoies G dans G divisé, dans T divisé par le... Enfin, vraiment, c'est algébrique. C'est-à-dire, tu vas de G dans G divisé algébriquement par la conjugaison. Hein, donc, ça dépend que de l'invariant associé. Vous voyez, c'est même pas de la conjugaison, c'est de la conjugaison stable. Dans G de Fx. Mais encore une fois, je dis... c'est simplement une remarque, parce que la prochaine fois, on verra déjà dans le cas de GL2 que en fait c'est pas le bon noyau. Hein, ce noyau qu'on a défini n'est pas sans rapport avec celui que j'introduirai la prochaine fois. Mais il y a une vraie différence. Et, il y a une raison pour que ça soit pas le bon. Enfin, il y a quelque chose qui. On verra la fois prochaine. Enfin, le calcul que je ferai, ça va apparaître tout de suite. Non, parce que qu'est-ce qu'on demande à ce noyau ? La première propriété qu'on lui demande, c'est que la transformation de Fourier sur G soit compatible avec la formation des termes constants. Et là, on va voir tout de suite qu'en fait, il faut corriger ce noyau d'une certaine manière. Voilà. Donc, mais à cause de cette propriété, c'est-à-dire si on prend le noyau défini comme ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser naïvement, c'est pas compatible avec la formation des termes constants. On a l'impression que ça devrait l'être parce que ça prolonge, en fait non. Et dans certains cas aussi, peut-être ça, ce KX roté. Oui, j'expliquerai, oui. Ah, oui. Donc le. J'expliquerai même que le. Bon, en fait, pour la transformation de Fourier, on demande une liste croissante de propriétés. Et la première propriété qu'on demande, c'est la compatibilité au terme constant. Mais vous voyez que la compatibilité au terme constant, en termes spectraux, ça ne voit que ce qui est induit par le tore. Donc sur toutes les autres représentations, vous ne savez pas ce que ça donne. Donc il y a une grande liberté. Ensuite, la deuxième propriété que vous demandez, c'est que ce soit un opérateur unitaire. Mais là aussi, il y a plein de manières de compléter un opérateur. Vous connaissez un opérateur unitaire sur une certaine partie, et vous avez besoin de le compléter à l'extérieur. Donc, il y a une certaine latitude pour ces propriétés-là. Hein, donc, ça va apparaître dans ce que je dirai la fois prochaine, c'est-à-dire que pour les premières propriétés dont on a besoin, dans le noyau, il y aura une certaine latitude. Hein, et puis peu à peu, on va préciser. Voilà.